Salut mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème très intéressant. Je vais vous donner 12 conseils pour devenir pauvre et le rester toute votre vie. Si vous êtes prêts, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je vous donne rendez-vous après le jingle. Je suis Dacis Lilson, je suis entrepreneur e-commerce, je suis femme d'affaires. Et sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle de tout ce qui peut vous aider à gagner de l'argent. On parle bien entendu de e-commerce et de dropshipping et de toutes ces stratégies. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. J'ai fait un constat et j'ai remarqué que plusieurs personnes veulent se lancer sur les réseaux sociaux et ne savent pas comment s'y prendre. Plusieurs d'entre vous ont même fait des formations, mais l'erreur que vous commettez, c'est que vous faites des boosts, vous boostez vos publications plutôt que de lancer des campagnes publicitaires. Certains ne savent même pas comment se lancer dans le e-commerce, comment choisir le produit gagnant, comment développer sa visibilité sur les réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube. J'ai décidé de lancer un programme d'accompagnement d'un mois qui vous permet de trouver quel produit gagnant vous allez choisir, trouver quel marché vous allez choisir, vous positionner sur Facebook pour vendre en faisant des campagnes publicitaires bien ciblées afin de rentabiliser vos investissements. J'ai également pensé à YouTube parce qu'aujourd'hui, YouTube fait partie d'une de mes sources de revenus. Et je gagne de l'argent tous les mois grâce à YouTube. Et pendant cette formation, je compte vous apprendre quelles sont les thématiques rentables sur YouTube, comment paramétrer sa chaîne, comment gagner plus d'abonnés, comment faire des ventes et gagner de l'argent sur YouTube à côté de ce que YouTube va te donner et bien entendu comment monétiser sa chaîne. Alors, si tu es intéressé, tu cliques tout simplement sur le lien qui s'affiche dans la barre de description. Et mon équipe va te contacter pour te permettre de réserver ta place. Ce n'est pas cher pour ce type d'accompagnement. Vous avez besoin d'investir pour avoir de la connaissance. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. 12 conseils pour devenir pauvre très rapidement. Le premier conseil, c'est ne te réveille jamais très tôt. Dors tous les jours jusqu'à 9 heures. Donc, fais la grasse matinée. Le deuxième conseil, mets la connexion Internet dans ton téléphone tous les jours pour aller suivre le Japap. Les buzz sur les réseaux sociaux, draguer les filles et les hommes et pour certains montrer leur nudité. Donc, mets ta connexion pour faire ce genre de choses. Le troisième conseil, critique ton gouvernement. Dis que ton président ne vous aide pas. Il faut te plaindre tous les jours en disant que c'est l'État qui doit venir t'aider plutôt que de penser à une solution que tu peux apporter pour ta génération. Le quatrième conseil que je vais te donner, dès que tu as un peu d'argent, joue au pari foot et à tous les jeux de hasard que tu connais plutôt que d'épargner. Le cinquième conseil, ne suis aucune formation professionnelle qui peut t'apprendre à développer de nouvelles compétences afin de mieux te positionner sur le marché et te vendre. Le sixième conseil, si tu es salarié, accroche-toi à ton emploi comme quelque chose qui s'accroche à l'aimant. Ne cherche jamais à créer d'autres sources de revenus et là, sois-en sûr que tu vas rester pauvre toute ta vie. Sois la meilleure fan de toutes les séries novelas et apprends à réciter toutes les chansons, les séries et les paroles de ces séries-là. Donc, enjoy dans novelas, passe toute la journée à allonger sur ton canapé à regarder les films et les séries novelas. Un autre conseil, il faut impressionner tes amis. Donc, dès que tu as l'argent, tu achètes un nouveau téléphone, les derniers cris de téléphone, les derniers vêtements, les derniers sacs à main, bref, les grandes marques et te plaindre tout le temps que tu n'as pas d'argent. Mais on doit te voir propre, beau, chaud, chic. Le prochain conseil, dès que tu as de l'argent, dépense comme si tu mourrais demain. N'épargne pas, ne fais aucun investissement, bousille ton argent comme tu veux dans des fêtes et dans des boîtes de nuit avec tes camarades. Le prochain conseil, ne rédige aucun projet d'investissement. Critique plutôt ceux qui sont en train d'entreprendre parce que tu penses qu'ils sont en train de faire une erreur en se lançant en business. Un autre conseil, il faut toujours accuser les autres de ta pauvreté parce que tu penses que ta situation actuelle dépend de tes parents, dépend de tes amis, dépend du gouvernement, dépend de ta famille. Non, tu es le seul responsable de ta situation. Donc, continue à te plaindre. L'avant-dernier conseil, ne fais aucun boulot de débrouillard parce que tu penses que tu as assez de diplômes et que ce n'est pas, ça ne relève pas de ta qualité d'aller faire un petit boulot, genre dans un chantier ou bien d'aller plonger, d'aller faire la vaisselle quelque part, bref, des petits boulots de débrouillardise qui vont te permettre d'avoir un peu d'argent. Ne fais rien de cela, reste dans ton lit et dors.
Le douzième conseil, c'est celui-ci. Ne lis aucun livre de développement personnel. Ne t'intéresse à aucune activité qui peut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, si tu appliques ces 12 conseils, sois-en sûr que tu vas demeurer et rester pauvre toute ta vie. Partage cette vidéo, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace out.